ces bons moments avec vous. Nous voulons, sans plus tarder, entrer dans la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui est dans le thème de l'année, qui est l'année de la transformation. Et le thème de l'année, c'est le thème d'aujourd'hui plutôt, c'est renouveler pour croître. Amen. Renouveler pour croître. Renouveler pour grandir. Renouveler pour progresser. Renouveler pour évoluer. Renouveler pour monter. Amen. Dis à celui qui a écouté, renouvelle-toi et grandis. Renouvelle-toi et grandis. Bien-aimé, ces deux éléments ont un lien. Il n'est pas possible de grandir si on n'est pas renouvelé. Amen. Lorsqu'on regarde le processus de transformation d'une chenille, la chenille ne peut pas grandir et devenir un grand papillon si elle ne passe pas par un moment de renouvellement. Et c'est ce qu'on appelle la chrysalide. Elle rentre dans une espèce de coque pour se transformer à l'intérieur, pour être renouvelée et pour sortir grand, comme un grand papillon. On voit également ce processus dans l'évolution des plantes. Lorsque vous semez une graine dans la terre, il faut que la graine se transforme en dessous du sol, qu'elle donne un bourgeon. Et lorsque le bourgeon sort, la plante devient un arbre ou peut devenir un baobab géant. Amen. Il faut un renouvellement avant d'aspirer à une croissance. Nous voulons sans plus tarder lire quelques versets pour étayer un petit peu la pensée d'aujourd'hui. Nous irons dans Luc 5, 37 à 39. Luc 5, 37 à 39. Nous ferons une deuxième lecture dans Jean 1, 12 à 13. Et une troisième lecture dans 2 Corinthiens 3, 18. Luc 5, 37, 39. Jean 1, 12, 13 et 2 Corinthiens 3, 18. Nous ne prêcherons pas des choses compliquées aujourd'hui, c'est des choses élémentaires de la foi chrétienne, mais j'espère que ce sera un rappel pour tout un chacun de nous. Luc 5, 37, 39. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. Deuxième lecture, Jean 1, 12 à 13. C'est un passage que nous connaissons tous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la troisième lecture de Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Trois lectures qui évoquent en apparence trois choses différentes, mais en profondeur, qui, selon mon analyse et ce que le Seigneur me met à cœur de dire, expriment la même chose. Notre passage clé aujourd'hui sera Luc 5, 37, 39. C'est une parabole que nous connaissons, je pense, tous ou que nous avons déjà entendue à un moment donné de notre marche chrétienne. C'est celle du vin nouveau. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, parce que sinon elles éclatent. C'est une parabole que Jésus lui-même exprime et qu'il partage à ses disciples. Et une parabole qui nous permet de tirer un enseignement profond pour nous chrétiens d'aujourd'hui. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Qu'est-ce qu'une outre ? L'outre à cette époque-là, c'était une gourde qui était faite en peau d'animal, cousue. Amen. Et tout l'animal était éviscéré, on ne gardait que la peau
pour pouvoir créer une outre, la remplir d'eau, d'huile ou de vin. Et cette outre-là permettait de désaltérer ceux qui ont soif. Cette outre faisait office de gourde, parce qu'ils n'avaient pas des gourdes en plastique comme nous, et ils utilisaient les outres. Mais le problème des outres, c'est que lorsque vous mettiez du vin nouveau dans des outres anciennes, ces peaux de bêtes ne supportaient pas la fermentation du vin nouveau. Amen. Et le vin nouveau était trop corrosif pour ces outres-là, et elles finissaient par se percer ou par éclater. Mais qu'est-ce que le vin nouveau? Qu'est-ce que veut dire cette signification du vin nouveau dans ce passage? Le vin nouveau, c'est la vie nouvelle que le Seigneur nous donne. Dans Jean 1, il nous est dit que le Seigneur nous a donné à nous qui croyons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Il a donné le pouvoir. Quand on dit il a donné le pouvoir, c'est-à-dire que c'est un don. La vie chrétienne, c'est un don. La vie d'enfant de Dieu, c'est un don. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu t'a donné une vie. Christ t'a donné une vie, bien-aimé. Christ t'a donné sa vie, mais pour te donner une vie particulière. La vie d'enfant de Dieu. Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas un élément fait par l'intelligence de l'homme ou un élément qui tient de la logique, mais c'est un don de Christ. C'est un élément qui nous a offert, été offert. Bien-aimé, tu n'as pas eu à faire d'effort si ce n'est le fait d'accepter Christ dans ta vie pour embrasser cette vie nouvelle. Amen. Le vin nouveau, c'est cette vie nouvelle dans le Saint-Esprit qui repose en toi. Cette nouvelle mentalité, cette nouvelle perspective que Dieu te donne. Cette nouvelle identité, cette nouvelle personnalité. Ce nouveau caractère que le Saint-Esprit place en toi. C'est ça le vin nouveau. Mais on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Qu'est-ce que les vieilles outres? Les vieilles outres, c'est le moi de base. Ce que j'étais avant que cette vie nouvelle vienne me rencontrer. Amen. Dis à celui qui a dit, d'où viens-tu? Demande-lui, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Pasteur Christian, d'où viens-tu? Pasteur Didier, d'où viens-tu? Tu viens forcément de quelque part. Tu as forcément été une vieille outre à un moment donné. Amen. Tu as forcément un vieux comportement, tu as forcément une vieille identité, tu as forcément un passé, un état d'homme pécheur qui ne correspond pas à cette vie nouvelle. Bien-aimés, nous avons tous un passif. Si je m'asseyais que je ne vous parlais de la vieille outre que j'étais, bien-aimés, beaucoup diraient, et toi aussi pasteur? Oui, j'ai été une vieille outre. Amen. Les vieilles outres, c'est l'ancien style de vie que nous avions avant de rencontrer Christ. Bien-aimé, avant d'être en Christ, comment marchais-tu? Comment parlais-tu? Comment t'exprimais-tu? Comment évoluais-tu dans ton environnement? Tu avais des codes et un mode de fonctionnement qui ne correspondaient pas à la vie nouvelle que le Seigneur veut mettre en toi. Amen. Une vieille outre. Une vieille outre, bien-aimée, c'est une outre qui ne peut pas supporter la nouvelle vie de Christ. Et lorsque le Seigneur nous parle du vin nouveau dans une vieille outre, c'est comme si vous aviez l'impression qu'il y avait une confrontation entre la vieille outre et le vin nouveau. Et la vieille outre ne pouvait pas le supporter et elle finissait par éclater. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Lorsque vous ne marchez pas en nouveauté de vie, lorsque vous ne marchez pas avec une mentalité renouvelée, à chaque fois que vous voulez, dans votre style de vie profond, vivre autrement que la vie que Christ vous a donnée, il y a quelque chose qui éclate. Amen. Une confrontation. Et on l'a vu encore ce matin, le passage où Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais je fais le mal que je ne veux pas. Une confrontation au-dedans de nous-mêmes.
Mais cette confrontation termine toujours par un éclatement. Cet éclatement se manifeste par différentes manières dans nos vies. Soit par le scandale, par la honte, par quelque chose qui nous détruit ou qui nous consume. Amen. Christ t'a donné une vie nouvelle, mais tu vis comme un impudique en couchant avec des femmes. Bien-aimé, le scandale va finir par éclater. Et la vieille outre va finir par éclater. Amen. Combien de fois n'avons-nous pas vu des chrétiens qui en cachette ne correspondaient pas à la vie qu'ils affichaient, à la vie que Dieu leur a donnée. Mais à un moment donné, quelque chose a fini par être détruit. Quelque chose a fini par être ruiné. Bien-aimé, à chaque fois que tu mets le vin nouveau dans des vieilles outres, bien-aimé, tu fais éclater quelque chose dans ta vie. Et bien-aimé, il y a des choses que l'on voit, mais il y a aussi des choses que l'on ne voit pas. Bien-aimé, quand on parle de l'éclatement, il y a un éclatement. On parle d'implosion et d'explosion. Bien-aimé, l'explosion, c'est quand l'explosion se fait à l'extérieur. L'implosion, c'est quand ça explose de l'intérieur. Amen. Une vieille outre peut exploser aussi de l'intérieur. Et ce qui est intérieur, c'est aussi spirituel. Bien-aimé, à chaque fois que tu te comportes en vie contraire à la vie que Dieu t'a donnée, il y a aussi des bénédictions spirituelles qui s'effacent dans ta vie. Bien-aimé, il y a des portes qui se ferment. Beaucoup d'entre nous ici ne savent pas qu'il y a des portes qui se sont éclatées et qui se sont fermées et qui ne sont jamais ouvertes à cause d'un style de vie. Amen. L'éclatement peut se manifester par un retard dans la vie. J'aimais beaucoup un pasteur, pasteur Chaï, qui est venu nous prêcher il y a le dimanche passé. Et il disait qu'une fille couchait avec un homme et demandait en même temps le mariage. Mais Dieu les voyait déjà mariés. Pourquoi Dieu va lui donner le mariage? Amen. Et elle attendait le mariage, elle attendait le mariage. Bien-aimé, c'est ça l'éclatement de l'outre. C'est ça l'éclatement d'une vie. Bien-aimé, lorsque le vin nouveau est donné, il faut que l'outre aussi puisse se renouveler. Le vin nouveau va avec des outres neuves. C'est-à-dire que pour que la vie que Dieu t'a donnée puisse être pleinement active et qu'elle puisse pleinement se manifester, il faut que toi aussi tu sois renouvelé. Bien-aimé, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Beaucoup prient pour vivre des miracles et vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas 1000 secrets. C'est dans notre style de vie que la réponse se trouve. Souvent, on veut challenger Dieu. Dieu, où es-tu? Que fais-tu? Mais toi, que fais-tu? Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as fait évoluer? Quelles sont les bornes que tu as déplacées dans ta vie pour pouvoir accueillir cette vie nouvelle et qu'elle soit pleinement active? Ce qu'on a vu dans cette vie nouvelle en lisant dans le livre de 2 Corinthiens 3:18, c'est que cette vie nouvelle nous amène à ressembler à Christ, nous amène à être comme Christ. Et lorsque vous regardez la vie de Christ, Christ est glorieux, Christ est élevé, Christ est fort, Christ est redoutable, Christ est un homme d'influence, Christ est un homme de miracle, Christ est loin de la médiocrité. La vie de Christ est une vie d'excellence. Mais bien aimé, à chaque fois que vous mettez cette vie d'excellence dans une outre vieille, bien aimé, elle ne peut pas s'activer. Et tu ne peux pas être un chrétien qui vit dans la gloire. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de médiocrité, n'est pas une vie de bassesse, n'est pas une vie d'à côté, mais c'est une vie d'élévation, c'est une vie de bénédiction, c'est une vie de gloire, c'est une vie de majesté, une vie d'autorité, une vie où on est dans un royaume. Et on n'est pas n'importe qui. Mais lorsqu'un chrétien devient une serpillière, ça veut dire que le vin nouveau a été mis dans une vieille outre. Amen. Amen. Et le problème, ce n'est pas notre Dieu. Non, 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 ce n'est jamais Dieu. Mais le problème, c'est nous. Es-tu renouvelé? Es-tu changé? Es-tu grand? Amen. Amen.
Je suis toujours étonné lorsque je vois les chrétiens de l'église primitive. Est-ce qu'Étienne était pasteur? Étienne n'était pas pasteur. Il était diacre dans l'église primitive. Mais on nous dit qu'il faisait de grands miracles. Amen. Probablement Étienne a réveillé des morts. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, un chrétien, les chrétiens ont peur des démons? Amen. On nous appelle la nuit. Oh, j'ai l'impression qu'un sorcier m'étrangle. Mais bien aimé, où est cette vie chrétienne de gloire, d'excellence, où les démons te craignent, où les sorciers de la famille tremblent devant toi? Amen. Où tu as l'autorité lorsque tu fléchis tes genoux, l'histoire de ta famille change. Où sont ces chrétiens qui sont du niveau de Samuel? Où Samuel, on nous dit qu'aucune de ses paroles ne tombait par terre. Tout ce qu'il disait, Dieu l'appliquait. Amen. Elle est où cette vie de gloire? Elle est restée dans les vieilles outres, percées de nos vies. Bien-aimé, il n'est jamais trop tard pour devenir une outre neuve et pour être renouvelé. Mais le challenge de la vie chrétienne, ce n'est pas de rester dans un état de vin nouveau. Mais le challenge de la vie chrétienne, c'est de garder le dépôt de ce vin nouveau dans une outre neuve pour devenir nous-mêmes un vieux vin. Amen. Dans le passage de Luc 5 que nous avons lu, le verset 39 nous dit « Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du vin nouveau. » Car il dit, le vieux est bon. Amen. Le vin devient bon avec le temps. Mais il faut que le vin puisse rester dans l'outre. Amen. Est-ce que tu sais capter cette vie de Christ en toi afin qu'elle grandisse? Dans 2 Corinthiens que nous avons lu ensemble et dont je viens de reparler, 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Bien aimé, de gloire en gloire, c'est un élément qui évolue dans le temps, qui progresse, qui grandit, une vie qui grandit en nous. Est-ce que non seulement tu sais garder le dépôt de Christ, mais plus encore, est-ce que ce Christ de la croix est grandi en toi? Amen. Amen. Souvent, la vie chrétienne n'est pas une vie de victoire. Non seulement parce qu'on ne sait pas garder le dépôt, mais plus encore, on ne sait pas le faire croître et le faire grandir. Comment un vin vieux peut être bon si le panier est percé, si l'outre est percé? Bien aimé, on ne boira que des gouttes. Mais le bon vin doit non seulement être bien conservé. Quand vous regardez des éléments sur l'œnologie, vous voyez qu'il y a une manière de conserver le vin pour qu'il devienne bon. Amen. Et bien aimé, lorsque l'outre est percé, est-ce que le vin peut être bon? Bien aimé, lorsque tu changes ta vie et que tu conserves cette vie de Christ progresse et elle devient bonne en toi. Et le monde commence à te chercher. Bien-aimé, est-ce que ta famille te cherche? Est-ce que le monde te cherche? Amen. Après avoir bu le vin nouveau, après avoir vu le vieux vin, on n'a plus envie de boire le vin nouveau. Est-ce que quand on t'a rencontré, on n'a plus envie de rencontrer personne si ce n'est toi? Amen. Dans ton travail, ils t'ont recruté toi, mais ils ne veulent que toi. Parce que tu es tellement un bon vin, ils n'ont jamais vu quelqu'un comme toi. C'est le dépôt de Christ qui fait ça. Amen. Il arrive à un niveau lorsque tu deviens du bon vin. Ta famille ne peut rien faire sans toi. Et à chaque fois que tu manques, on sent qu'il manque quelqu'un. Il y a une saveur qu'il n'y a pas ici. Parce que patience n'est pas là. Amen. Parce que lorsque cet homme est là, quelque chose se passe. Il y a une saveur qu'on retrouve chez lui, qu'on ne retrouve chez personne d'autre. Bien aimé, lorsque tu t'attaches à Christ et que ta vie progresse, dans la foi, tu deviens incontournable. Amen.
Et le bon vin, on ne le sert pas à n'importe quelle table. On le sert à la table des autorités. On le sert à la table des rois. On le sert dans des grandes occasions. On le sert dans des lieux élevés. Bien-aimé, dans quel endroit on se sert de toi? Amen. Dans quel endroit on fait appel à toi? Dans quelle dimension tu opères? Dans quelle dimension on te trouve utile, voire indispensable? Le vin nouveau, c'est un vin qui peut servir à la table simplement de n'importe qui. Mais le vin vieux, bien gardé, on ne le sert pas à n'importe qui. Amen. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un qui veut être renouvelé pour croître, qui veut être renouvelé pour grandir et qui a soif de grandir dans la foi et d'arriver quelque part avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, nous allons prier. Alléluia. Là où tu es, tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as donné deux orientations. La première orientation, je veux garder ce renouvellement que tu m'as donné. Et je ne veux pas que ce renouvellement s'éloigne de moi. Je veux être une outre neuve pour pouvoir garder le dépôt de ce que tu m'as donné. Bien-aimé, l'apôtre Paul exhorte Timothée à garder le dépôt qui lui a été transmis. Dans 1 Timothée 6:20, « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. » Bien-aimé, garde le dépôt de Christ. Dis, Seigneur, renouvelle ma vie pour que je garde le dépôt. Mais tu ne vas pas t'arrêter là et tu vas dire, « Seigneur, je veux que ce dépôt grandisse. Je veux que Christ grandisse en moi. Je veux que Christ prenne plus de place en moi. » Je veux plus de Jésus. Commence à élever ta voix et commence à prier dans ces deux directions pour garder le dépôt de Christ, mais aussi pour le faire grandir. Seigneur, ô Dieu, je ne veux pas me limiter, Seigneur, à te garder en moi, mais je veux aussi porter du fruit et le porter en abondance, Seigneur. Oui, véritablement, oui, garde-moi dans une vie de sainteté et de sanctification, une vie renouvelée pour ta gloire, me permettant de garder la présence de Christ en moi, me permettant de garder la vie de Christ en moi, me permettant de garder, Seigneur, ton intelligence, ta pensée, ta présence en moi. Mais plus encore, Seigneur, je veux que tu croisses en moi, je veux, Christ, que tu grandisses en moi, je veux que tu deviennes géant en moi. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place dans ma vie. Seigneur, je veux te laisser toute la place. Je veux te laisser toute la place. Je veux croître dans la foi. Je ne veux pas rester dans des choses petites, mais je veux grandir dans ma vie de prière. Je veux grandir dans ma connaissance de la parole. Je veux grandir dans mon intimité avec Christ. Je veux grandir. Seigneur, qu'on te voie de plus en plus en moi, comme ça. Cette parole qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, vis en moi, manifeste-toi en moi. Je veux manifester Christ partout où je vais. Je veux manifester Christ partout où je vais. Je veux manifester Christ. Christ, je veux te manifester dans toute ta gloire, dans toute ta splendeur. Christ, je veux que tu te révèles en moi. Je veux que tu t'exprimes en moi. Je veux que le monde te voie en moi, que ma famille te voie en moi, que mes amis te voient en moi, que l'église te voie en moi, et que tu sois toujours plus grand dans ma vie. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi dans ma vie. Je veux, ô Seigneur, que tu viennes en moi comme un vin vieux. Oui, Seigneur, que tu prennes de la maturité en moi. Je ne veux pas un petit Christ, mais je veux que Christ soit grand dans ma vie, que Christ soit un géant qui prenne toute la place. Bien-aimé, demande au Seigneur de prendre toute la place, de prendre toute la place, de prendre toute la place.
de prendre toute la place. Bien-aimé, donne-lui tout, donne-lui tout, donne-lui tout, donne-lui tout, donne-lui tout, donne-lui tout, donne-lui tout. Demande à Jésus de grandir, 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 de prendre toute sa domination et toute son autorité dans ta vie. Oui, que le Seigneur domine, que le Seigneur gouverne, que le Seigneur s'élève, que le Seigneur se glorifie, que le Seigneur, oui, manifeste sa grandeur dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous voulons lever nos mains, nous sommes arrivés à la fin du culte. Je vais inviter le bishop à prier pour toute l'assemblée. Alléluia. 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 Cette parole est puissante. Écoute bien. Lorsque Dieu veut amener la vie de Christ, et avec Christ la plénitude et toute sa puissance dans la vie d'une personne. Et il faut que cette personne soit préparée en outre qui va recevoir la vie de Christ. Vous savez, la Bible dit qu'en prenant le repas du Seigneur, la scène, certaines personnes deviennent malades, d'autres même infirmes. Et il y en a qui peuvent mourir. Parce que la vie qu'il y a dans le sang de Jésus, lorsque nous prenons le vin, nous buvons le sang de Jésus et le pain représente son corps, ne peut pas rentrer dans n'importe quelle vie. Voilà pourquoi je vais prier pour que toi, tu sois préparé ce soir, après avoir entendu ce message, en outre, qui va accueillir la vie de Christ. Parce que quand tu vas accueillir la vie de Christ, ta vie sera transformée, tu ne seras pas la même personne. Oui, écoute, il y a des bénédictions derrière cette parole que tu viens d'écouter. Oh mon Dieu, Père, fais de chaque personne une autre nouvelle. Parce que la puissance arrive, l'onction arrive, la grâce arrive, la manifestation de la puissance et de la vie de Christ arrive. Et sois prêt à recevoir cela. Cela exige une transformation profonde, un changement radical d'esprit, de mentalité, le renouvellement de l'intelligence. Offrir des corps comme des sacrifices agréables à Dieu. Être rendu capable de discerner le bien du mal, ce qui est la volonté de Dieu. Je prie pour toi, ma soeur, ce soir. Je prie pour toi, mon frère, ce soir. Parce que quelque chose va changer dans ta vie. Tu ne seras pas la même personne. Quelque chose va arriver dans ta vie. C'est tellement lourd. C'est tellement fort. C'est Dieu lui-même qui arrive. C'est Dieu lui-même qui vient dans ta vie. Christ est en train de se former en toi.
vie de Christ. Marie portait Dieu en elle. Bien-aimé, tu vas porter Dieu quand Marie a porté Dieu. Quand Marie a salué Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, l'enfant qui était dans le ventre tressaillit de joie. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été communiqué à cause de la vie que Marie portait. Bien-aimé, tu vas porter la vie de Christ. Et tu ne seras pas n'importe qui, tu seras remarquable. Quand tu vas toucher des gens, tu vas communiquer la puissance. Tu vas libérer la vie que tu vas porter de Christ. Oui, porter la vie de Christ, c'est porter les richesses, c'est porter la santé, c'est porter toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Deviens une autre nouvelle, parce que de nouvelles choses arrivent dans ta vie. Dites Amen. Deviens une autre nouvelle, parce que de nouvelles bénédictions arrivent dans ta vie. Dites Amen. Tu seras une nouvelle création, une nouvelle créature. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que Christ, qui prend forme en vous, se manifeste dans sa grandeur, dans la puissance et toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.